Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur God of War Ragnarok pour la deuxième partie des épreuves du creuset. Donc j'avais déjà fait une vidéo pour montrer les 6 premières épreuves. Là on va terminer avec les 9 dernières pour pouvoir débloquer tout le creuset complètement et terminer la zone à 100%. Donc j'avais déjà fait ce petit chemin donc pour vous montrer les différents endroits où vous allez devoir vous rendre. Donc on va les nommer comme ça, chemin 1 à gauche, chemin 2 au milieu, chemin 3 à droite. Donc ça c'est face à l'épée à chaque fois, donc si vous vous êtes perdu n'hésitez pas à retourner là, comme ça vous pouvez savoir vraiment comme moi sur la vidéo où aller. Donc je vais vous expliquer vraiment le fonctionnement. Donc il va falloir faire 2 épreuves à chaque fois par chemin pour pouvoir débloquer une épreuve au centre de l'arène ici avec la grosse épée. Donc je vais vous noter exactement les épreuves qu'il va falloir faire. Donc si vous faites comme moi pour débloquer l'épreuve d'endurance, il va falloir faire une épreuve dans le chemin 1 et une épreuve dans le chemin 2. Vous allez voir que dans le chemin 1, 2 et 3, il y aura une nouvelle épreuve à chaque fois qui se sera ajoutée. Vous avez juste à les faire la première fois et après, libre à vous de choisir les épreuves que vous voudrez en fonction du chemin qu'il faudra pour compléter l'épreuve finale. Donc c'est vraiment très simple, j'espère que ça c'est assez clair pour vous. Donc on va passer tout de suite aux épreuves en vidéo. Alors, pour mettre en pratique ce que je vous expliquais avant, donc là, on va se rendre au chemin 1. Donc, vous allez voir, dessus, il y a une nouvelle épreuve, l'épreuve 3. Donc, l'épreuve déchaînement. Donc, il suffira de la faire. Donc, elle est vraiment simple. On doit éliminer 20 ennemis en 150 secondes. Donc, franchement, ça passe vraiment très, très bien. Donc, une fois que vous avez fait ça, c'est vraiment très, très facile. Et c'est pareil que dans les épreuves précédentes. Une fois que vous avez fini, vous récupérez votre petit coffre avec vos composants et tout ça pour pouvoir améliorer vos armures et on passe à l'épreuve suivante. Donc là, ça y est, on a fini notre épreuve numéro 7. Donc il faudra faire dans le chemin 2, cette fois-ci, l'épreuve numéro 8. Donc c'est l'épreuve vol de vie. Donc vol de vie, elle est assez simple, moi je trouve. En fait, vous perdez de la vie en continu et à chaque fois que vous tuez des ennemis, en fait, vous regagnez de la vie. Donc en fonction de la difficulté, c'est sûr que ça sera vraiment plus simple ou plus difficile. Libre à vous de baisser ou de laisser sur votre difficulté actuelle. C'est comme vous le sentez. Après, de toute façon, comme je vous ai dit, aucun trophée n'est lié à la difficulté. Donc si vous voulez vraiment jouer en mode histoire ou en mode difficile, libre à vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est vraiment une épreuve, je trouve, qui est très très simple. Après, comme je vous expliquais, il va falloir refaire plus tard des épreuves. Donc c'est une épreuve que je vais faire assez souvent, comme vous allez voir dans les vidéos qui vont arriver juste après. Donc on continue de toute façon la suite du guide et on passe à l'épreuve ultime, l'épreuve d'endurance, juste après avoir terminé celle-ci et récupéré le coffre. Donc ça y est, on a fini nos 2 épreuves, donc l'épreuve 7, l'épreuve 8, on va enfin pouvoir passer à l'épreuve d'endurance. Donc il va falloir vraiment bien respecter pour ne pas vous perdre par rapport aux épreuves. Donc l'épreuve d'endurance, rien de compliqué, pareil, il va falloir juste que vous soyez bien préparé parce que vous allez voir, comme on le voit à l'écran, vous allez devoir tuer 99 ennemis, donc qui vont monter en puissance. Au début on reçoit des petits ennemis et après ça va augmenter. Bon, après rien de bien compliqué si on a les bonnes armures et si on est bien monté. Moi au moment où j'ai fait les épreuves du creuset, j'étais niveau 8. Donc voilà, après j'ai réussi en faisant le creuset à terminer mes armures au maximum, mais niveau 8 on va dire que normalement ça devrait passer avec n'importe quelle armure que vous avez choisi. Moi là j'ai l'armure Berserker
Après, libre à vous de mettre l'armure que vous voulez du moment qu'elle est bien équilibrée, on va dire en statistique. Voilà. Donc une fois que vous avez fait cette épreuve d'endurance, on se retrouve pour la suite du guide. Donc je vous laisse avec la vidéo, comme ça vous pouvez voir un petit peu sur quoi vous allez tomber pour la suite. Donc ça y est, on a terminé notre première épreuve finale, donc on récupère notre coffre et après on resuit la logique donc du départ avec les chemins, donc je vais vous montrer jusqu'à maintenant. Donc on a récupéré une super bonne armure, des composants pour pouvoir améliorer nos armures par la suite. Donc là il faudra se rendre dans le chemin 3 et dans le chemin 2. Donc là nous allons devoir donc dans le chemin 3 avoir une nouvelle épreuve qui s'appelle course à l'élimination. Donc on va devoir éliminer les ennemis suffisamment rapidement pour que le compteur n'arrive pas à zéro. Donc chaque ennemi nous redonne du temps, donc c'est vraiment super cool, c'est vraiment facile en général. Normalement si vous gérez bien, ça devrait le faire. Il faut, même si vous voyez que le timer commence à être un peu juste, n'hésitez pas à ne pas rachever tout de suite tous les ennemis, comme ça vous laisse un petit peu de marge, mais normalement il n'y a pas de souci là dessus donc on se retrouve juste à la fin de cette épreuve. Donc voilà, on récupère notre récompense. Donc à partir de maintenant, ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous pourrez aller faire n'importe quelle épreuve. Il suffira juste de respecter le chemin. Donc vous êtes là, moi j'ai repris une épreuve qu'on avait déjà fait avec la faille. C'est celle que je trouve qui est la plus rapide. Donc vous pouvez rechoisir les épreuves sur lesquelles vous avez eu le plus de facilité à partir de maintenant. Juste le chemin contrat. Donc libre à vous de choisir parmi les trois épreuves, je le redis bien. Il faudra juste respecter le chemin. Et normalement, il n'y aura pas de souci. Si vous avez suivi le guide tout comme moi, vous pourrez vraiment passer à l'épreuve finale numéro 2, la ruée de boss. Donc voilà, on récupère notre petite récompense. On repart dans la zone centrale parlée à la grande épée. Une fois que vous avez ça, comme vous pouvez le voir, on a débloqué l'épreuve numéro 2, ruée de boss. Donc ça va être une épreuve où vous allez devoir battre 5 boss. Ils vont arriver tous un par un. Normalement, si vous êtes bien préparé, comme je vous le disais, ça devrait largement le faire. Après, si vous sentez vraiment que c'est trop compliqué pour vous en une barre de vie, n'hésitez pas à baisser la difficulté. De toute façon, ça passera quand même très très bien, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Donc le but, c'est d'enchaîner les 5 boss. Donc je vous laisse avec le combat.
puis on se retrouve pour la suite du guide. Donc on se retrouve directement avec l'épreuve finale brise-bouclier, donc il faudra faire le chemin 1 et le chemin 3 dans l'ordre que je vous l'ai dit. Donc vous pouvez choisir n'importe quelle épreuve, mais il faudra suivre l'ordre des chemins. C'est vraiment très important, je le redis encore, pour que vous puissiez avoir le même ordre que moi. Sinon après, tout sera chamboulé et vous aurez vraiment du mal à compléter toutes les épreuves qu'il faudra faire pour terminer cette région. Donc l'épreuve brise-bouclier, ça va être pas très très compliqué. Vous allez avoir 4 ennemis qui vont apparaître avec un boss, et le but ça sera en fait de, comme vous allez pouvoir le voir en fait, de tuer les ennemis avant de pouvoir taper le boss, sinon vous ne lui ferez aucun dégât. Donc petite subtilité, après en fonction de la difficulté qu'il va avoir, il va avoir un deuxième boss qui va arriver, donc pareil il faudra tuer les 3 ennemis qui sont à côté de lui pour pouvoir faire les dégâts, et après vous pourrez vous occuper de lui. Donc c'est vraiment très très simple comme épreuve, il suffit juste de bien connaître ce qu'il faut faire à l'avance, et comme ça vous pourrez vraiment la réaliser facilement. Donc on se retrouve à la prochaine épreuve. Donc pareil que pour les épreuves précédentes, je vous ai mis directement l'épreuve finale qui va arriver juste maintenant. Donc il faudra faire une épreuve du chemin 3 et une épreuve du chemin 1 dans l'ordre là. Et après vous aurez l'épreuve finale donc avec l'amalgame. Donc l'amalgame vous l'avez déjà croisé pas mal de fois dans le jeu. Donc il faudra lui taper son point faible. Une fois que le point faible est, est bien touché, vous pouvez casser les pylônes qui vont apparaître sur la carte. Donc ils sont en nombre de 4. Donc en fonction de votre difficulté, le combat sera plus ou moins facile ou difficile. Après, des vagues d'ennemis vont arriver en plus. Donc moi je me suis concentré vraiment sur l'amalgame. Et après j'ai cassé le dernier pilier. Donc c'est vraiment un combat qui s'est bien déroulé. Donc vous avez la stratégie pour pouvoir faire cette épreuve normalement. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Et on se retrouve juste pour l'épreuve suivante. Donc voilà, j'espère que le combat s'est bien passé pour vous. On va se retrouver pour l'avant-dernière épreuve de ce guide. Donc c'est vraiment simple, il faudra faire une épreuve du chemin 2 et une épreuve du chemin 3, n'importe laquelle, comme je vous ai dit depuis le début, et vous débloquerez l'épreuve massacre. Donc l'épreuve massacre, elle consiste donc à survivre pendant 300 secondes dans une arène. Donc il faudra tuer les ennemis en faisant attention aux zones de feu. Vous avez bien vu, c'est assez restreint. Donc là pour le moment rien de bien compliqué, on va dire si vous êtes bien préparé et en fonction de la difficulté que vous avez choisi. Moi pour le moment ça se passe super bien, donc après vous allez voir adapter en fonction de votre style de jeu. Moi j'ai voulu la faire comme ça pour vous présenter le guide le plus simplement possible. Donc normalement pour cette arène rien de bien compliqué, vous avez juste à survivre aux 300 secondes. Donc c'est vraiment juste à jouer avec le temps, à faire attention aux esquives, aux parades, et puis bien tuer les ennemis qui sont les plus proches de vous, et normalement ça devrait bien se passer. Donc je vous laisse avec la fin du combat et puis on se retrouve pour la dernière épreuve et le guide qui va se terminer par la même occasion.
Donc ça y est, on y est, on arrive à l'épreuve finale. Donc on a récupéré une pièce d'armure de Surt, c'est super cool. En plus, c'est une très bonne armure. Donc vous allez voir ça de toute façon par la suite. Donc là, on a débloqué l'épreuve anneau de feu. Donc il faudra faire le chemin 2 et le chemin 1. Pareil que précédemment, donc une épreuve dans le chemin 2 en premier et une épreuve dans le chemin 1. Et vous aurez accès à l'épreuve anneau de feu. Donc lancez tout de suite votre hache. Sur le pylône sur le côté de poison et ne la touchez plus, switchez d'armes, jouez qu'avec la lance ou avec les lames du chaos parce qu'en fait l'arène par rapport à la zone d'avant va bouger, en fait elle va se déplacer, donc vous allez voir que on va prendre des petits dégâts de temps en temps parce qu'elle va faire le tour, mais sinon ça va passer quand même dans la zone de poison, donc comme ça au moins vous évitez de vous prendre double dégâts de feu et de poison en même temps. Donc vous voyez, l'arène commence à se déplacer, donc pareil qu'avant, là il faudra juste tuer 15 ennemis. Donc la vie quand même descend, mais normalement ça devrait le faire, franchement ça passe super bien. On arrive sur la dernière épreuve, donc c'est super cool de vous avoir présenté ce petit guide, j'espère qu'il vous aura bien aidé. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, normalement si vous avez suivi dans l'ordre, il n'y aura pas de souci. Si après vous n'avez pas suivi dans l'ordre, je ne pourrai pas vous donner telle ou telle solution, parce qu'en fait ça sera votre ordre à vous, donc il faudra bien le respecter et bien vous rappeler quel procédé vous avez utilisé pour pouvoir arriver à la dernière épreuve. Anneau de feu. Donc après c'est soit de vous suivez le guide, soit de vous faites à votre façon, mais c'est vrai que c'est pas évident après pour se repérer. Moi je vous donne la façon qui vous permet de débloquer complètement toutes les épreuves et de débloquer le trophée par la même occasion. Donc j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas dans les commentaires à me le dire, à me dire simplement merci, oui j'ai réussi grâce à toi tout ça. À mettre un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir et ça récompense aussi le travail. Et puis si vous voulez aussi vous abonner, il y aura encore d'autres astuces sur God of War, mais pas que. De toute façon, je fonctionne comme ça sur tous les jeux que je fais d'abord un petit let's play et après je fais le 100% de mon côté si le jeu m'a plu vraiment, et puis après je débloque des astuces pour vous, pour vous les présenter, pour pouvoir vous faciliter aussi la vie sur le jeu. Donc moi je vous dis à très très vite, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à farmer cette épreuve en boucle si vous voulez récupérer des composants pour pouvoir améliorer les armures que vous avez envie, et puis n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur la chaîne pour regarder toutes les vidéos qui tournent autour de God of War et pas que. Allez, à très très vite, ciao ciao, c'était Nico.